Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur mon petit village. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode 22 hein, de l'aventure suivie déjà. Nous allons voir vite fait les guerres, puisque là ça fait quand même 2 semaines que vous avez pas eu... Enfin, vous avez eu les vidéos, mais je veux dire, je les avais déjà tournées avant, même avant la mage, donc c'est un peu vieux, ça remonte ouais, à plus de 2 semaines même. Donc là je vais... Bah, je vous en fais une. Alors on va regarder vite fait les guerres de clans. J'ai eu le temps d'en faire 3. Donc on va regarder vite fait tout ça. Alors qu'est-ce qui a changé dans mon village? Avant tout ça on va regarder. Alors il y a la reine qui est en train de monter niveau 8. Je compte la monter niveau 10. Donc voilà. Après je vais montrer le... Ah, monter le roi. Mais c'est pas le principal pour le moment. J'ai mon Archix qui est en train de monter niveau 3. Donc comme ça ça sera fait. J'ai ma réserve d'élixir aussi qui monte. Comme j'avais trop d'élixir, j'en ai encore de trop. Mais ça sera pour la recherche. J'ai un anti-aérien qui monte niveau 7. Un autre anti-aérien qui monte niveau 7. Que j'ai mis d'ailleurs ce matin. Je suis à 1700 trophées presque. Donc enfin, les attaques sont pas encore trop compliquées. Même si je suis un peu pourrable. Là, j'arrive plus à attaquer. C'est un truc de fou. Je vais regarder mes trucs. Attendez, je regarde l'heure. Ok. Alors... Attaque, voilà, je gagne pas grand chose. Hein. Bon, là, il y en a encore une bonne. Là, ça va. Là, c'est bof. Là, c'est vraiment bof aussi. Là, c'est bien. Bien, bien. Et pourrave, mais je me suis fait ken. J'aurais pas dû attaquer ça. Enfin, bref, c'est mitigé. C'est un peu bof. Au niveau attaque, mais c'est pas grave. Mon clan va bientôt up niveau 2. Il up pas très vite. Là, on a fait 3 guerres depuis le début de. Depuis qu'à la mage. Mais comme on a fait des guerres à 10, 15 et 20 à chaque fois, enfin les 3 fois du coup, ça n'a pas fait monter beaucoup. Alors les bonus quand même qui sont assez importants, enfin intéressants je veux dire, la demande de troupes quand même qui diminue à 15 minutes, les loots pour la guerre à 10% en plus pour le fin de stockage. C'est pas trop mal. Les donations, donc les troupes que vous donnez rendues, enfin remboursées, donc à 20%. Ce qui est plutôt pas mal hein, quand vous donnez des troupes qui coûtent assez cher. Puis ça vous fout un peu moins le seum. War bonus extra loot. Bon bah vous gagnez 10% de bonus, enfin de loot en plus. Donation limite 6 troupes au lieu de 5. Je sais pas, c'est pas trop dégueulasse. Warlord extra storage. Donc 20% de stockage en plus dans les châteaux de clan. Puis ça continue comme ça, à peu près tout le temps les mêmes trucs. Donc à la fin, hein, ça devient quand même assez intéressant. Ah, c'est quoi ça? Ah, les troupes données sont augmentées de 2 levels. Ça, c'est vraiment pas mal ça. Et le stockage des ressources de guerre augmente à 50%. Franchement je trouve que l'idée de trucs de clan comme ça c'est pas trop mal. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se donner un peu plus à fond du coup dans le clan. Parce que là pour l'instant les clans où je passais, bah, les gens ils entraient dans la guerre et tout, mais bon voilà ils attaquaient pas. Pareil le chef peut choisir qui va dans la guerre ou pas. Je trouve ça plutôt cool. Ça permet bah, d'enlever tous les bas level ou tous ceux qui sont inactifs. Vous voyez, tous ceux-là, ils sont inactifs, là. Il y en a plusieurs qui sont inactifs. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Alors, Warlog. Donc on n'a pas beaucoup de défaites, hein. Là, bon, moi, je suis arrivé où? Je crois que je suis arrivé... Attendez, c'est 12 jours ago. Je ne sais pas, en fait, hein. Je crois que je suis arrivé par là, dans une des deux là, je crois. Ouais. Oui, on a fait 3 guerres avec les bonus. Donc on va regarder vite fait les attaques que j'ai fait. Je crois que je me suis un peu foiré. Hein, donc, quoique. Là j'ai un bon bonus, hein, 900 000 presque. Donc je me suis pas fait attaquer. Bon là on les a démontés, ils ont fait 4 attaques à nous, 26. En guerre, je pense que. Enfin, on gère assez bien. Alors j'ai pas eu de chat, je crois, sur celui-là, je sais plus. Non, sachez. Bon, on va regarder celui-là d'abord. Pour se dégoûter après. Alors, hop, pour dézoomer. J'ai mis 2 serviteurs ici pour dégager les bombes rouges. J'ai bien fait d'ailleurs parce qu'il y en avait quand même 2. Alors là j'ai pas vidé le château de clan tout simplement parce que dans cette guerre là ils étaient vraiment inactifs en face. Les châteaux de camp étaient vides. Donc ça nous a facilité la tâche. Non, je devrais bientôt foutre un sort de soin sur ceux-là parce qu'ils ont pris beaucoup. Voilà. Alors, bon, j'ai tout balancé. Moi qui a pris la quéquette parce que je crois que là je crois qu'il y avait un, j'ai pas vu, mais je crois qu'il y avait un canon. Donc non, là, bah, là je fais 100%, donc c'est assez simple. Ces villages là sont assez simples, surtout qu'il n'y a pas le château de clan à vider. Moi c'est ça souvent qui me pose problème. Simplement comme je suis en ballon serviteur, souvent soit je peux pas atteindre les ballons, enfin le château de clan. Du coup je suis obligé de balancer toutes mes troupes et puis bah au final ils vont se faire démonter par des dragons ou des sorciers. Donc voilà, je fais 100%, il n'y a pas de difficulté non plus dans cette base là. Surtout que le château était vide. Bon là il était assez simple parce qu'il était facile d'accès, on pouvait mettre je sais pas, n'importe quelle troupe, on pouvait vider le château de clan. Donc là ceux-là ça me gêne pas trop parce qu'au final j'aurais pu attirer par là. Et je les aurais tués tranquille avec le roi et la reine. Mais quand c'est bien au milieu et que vraiment je peux pas atteindre, là je peux atteindre mais... bah, je vais vous montrer dans la dernière guerre qu'on a fait, je pouvais vraiment pas atteindre le château de clan. Du coup j'ai fait qu'une étoile, mais de toute façon on avait gagné, hein. Je sais plus combien on gagnait, bah, vous verrez tout à l'heure. C'était la dernière guerre qu'on a fait, le replay. J'ai fait 73%, je crois que le château de clan était vide. Moi j'ai tenté ce mec là, hein. Moi, je faisais ça un peu pour le butin. Voilà, pareil, j'ai foutu un truc pour... voilà, il y a 2 bombes à chaque fois. Ce qui pourrait bien affaiblir les troupes. Voilà, j'ai tout foutu d'un coup. Je me dis qu'il n'y avait plus de bombes rouges, il y aura pu y avoir des bombes noires et tout, mais... je crois d'ailleurs que c'est au milieu, je sais plus. Là, je commence à prendre cher. Donc c'est une mono-cible, là, pour l'instant, avec la tour de l'enfer. Ok, ouais. Ils s'embrouillent. Je sais plus ce que je disais. Bon, mes troupes ont fait le tour, si vous voulez. Là, elles ont nettoyé. C'est les Tesla qui m'ont fait mal, du coup. Puis il y avait un peu de tout dans ce coin-là. Mes sœurs, est-ce que je suis même pas sûr d'avoir tout utilisé. J'ai tout perdu trop vite. Ah, j'ai utilisé un sort de soin. Ouais, dans ce coin-là, j'ai vraiment perdu mes troupes très vite. Là, j'ai foutu un sort de rage qui a pas trop servi. Bon, là, du coup, j'essaie de nettoyer. Malheureusement, bah, mes troupes sont jamais arrivées au château de clan. Ils ont fait le tour, en fait. C'est ça. Ce village-là est un peu mal foutu pour moi quand j'attaque, je veux dire. Il est bien foutu quand on attaque, enfin quand on défend. Parce que du coup, bah, si on pose nos troupes là, bah, elles font le tour quoi. Même n'importe où, je pense qu'elles font le tour. Donc je fais 73%, on va passer vite fait. On va regarder qui a fait l'attaque héroïque du clan. Et la meilleure défense également. Voilà, bon, je me suis ramassé toutes les grosses bombes. 4 je crois, ouais 4. Ouais voilà, bon j'aurais tenté. J'ai fait une étoile mais déjà, bon après c'est les ballons. Là je commence vraiment à galérer avec les ballons. Là je me rends compte depuis 2-3 guerres. Je commence vraiment à faire de la merde avec les ballons. De toute façon là les 2 techniques que j'utilise dernièrement, je fais vraiment de la merde, ça m'énerve. Clairement. Alors War Event. Alors on va tout en bas. Hop. Ah. War Stat. Ah c'est ici. Alors l'attaque la plus héroïque c'est moi, donc bon, on va pas la montrer. Sur le 7. Hein, j'ai pas attaqué le 7. J'ai attaqué le 2, pourquoi? Attendez. Je comprends pas trop. Replay, Monsterric, attaque. Ah oui, non, oui, je suis bête, je comprenais pas. Je croyais que c'est moi qui avais attaqué lui, mais non. C'est dans chaque clan, c'est vrai. Donc Monsterric Defense. Voyons voir celui-ci. Ouais, donc c'est un petit HDV, c'est un HDV... 6. C'est un HDV 6, donc il pète les trucs pour gagner quelques pourcents. Il a raison. Moi souvent c'est ça qui pêche un peu. Je perds. Non, il a fait une attaque au barbare. Il a osé. Je crois. Attends, je crois que j'ai regardé cette attaque. Mais il fait pas une attaque super, je crois. À moins que c'est moi qui me trompe, hein, je sais plus. Je vais voir. Je sais plus du tout. Non, voilà. Ah oui, ouais, d'accord, ouais, c'est l'ennemi qui a attaqué. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je me disais. Donc, Combinator a fait une bonne défense. Bon, après, le gars aussi, il a un peu. Il a... Je sais pas ce qu'il a cru, mais bon, voilà. Alors, attendez, je vais donner des troupes. Je vais donner des archers. Je vais les remettre vite fait. De toute façon, j'ai le temps. Je vais attaquer maintenant aussi. Quoique. Bon, je fais ça vite fait. Je vous montre la dernière guerre qu'on a fait. Enfin, l'avant-dernière, du coup. Attendez. Ah ah, mince. Ok, bon, c'est pas grave. On va regarder vite fait l'autre guerre. Donc la dernière guerre, donc on a fait, bah, qu'on vient de terminer il y a un jour. 56 à 49, c'était une guerre un peu plus serrée, mais on était quand même un peu devant. Enfin, avec 3 attaques de plus aussi, c'est normal. Ah, je me suis pris une étoile, tiens. Ah ça, je l'ai pas vu, il a dû m'attaquer vraiment à la fin de la guerre parce que j'avais pas pris d'étoile ni rien. Je vais regarder vite fait l'attaque que j'ai pris. Alors... j'aime bien mon village quand même. Il a bien avancé vraiment depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur Clash of Clans. Alors oui, il m'attaquait ces techniques là. J'avais déjà vu dans... Enfin j'ai regardé les défenses du team de mes coéquipiers. Et j'ai vu quelqu'un attaquer avec ces techniques. Donc il mettait des golems et tout. Mais je crois que j'ai regardé en fait. Je sais plus. Mais elles se ressemblent à chaque fois. Donc les PK niveau 3 sont vraiment... Je les trouve stylés. Je les trouve... clairement stylé. On va juste accélérer. Je vais juste regarder les PK qui prennent vraiment cher. Là il reste plus rien là en fait. Ouais, le problème c'est qu'il a foutu, enfin il a foutu tous ses sorciers. Ils ont pris un peu la zébie au passage. Hop. Hop. Plus de sort de rage pour les... Ah si, il a remis un sort de rage par dessus. Bon, il a fait une étoile parce qu'il est passé au milieu quoi. Je pense qu'il a quand même eu la chance que ça soit pas ouvert. Ici, voilà, sinon il aurait fait le tour, je pense. Hop, ma reine qui défend. D'ailleurs, j'ai mon roi et ma reine du même côté. Oh, au final, c'est plus efficace. Oh, je sais pas. Château de clan, bah, il devine maintenant, il n'y avait aucun intérêt. Surtout aussi loin. Hop. Bon, voilà l'attaque. Bon, c'était pas une attaque terrible. Je crois que c'est un HDV8, je pense. Qui m'a attaqué? C'est qui? Iceman, c'est le 5. Scout, je regardais juste son village. Ah, je l'avais vite, c'est bien ce que je pensais. Mais il a bien monté son roi et tout ça. En niveau 10, moi je l'avais pas niveau 10 à ce moment-là. Ses troupes aussi, ils ont l'air bien maxés. On va regarder vite fait les attaques que j'ai faites. Je sais pas attaqué le premier, non. J'ai attaqué le deuxième. Moi j'ai foutu de la merde, je crois, dans cette attaque. Ah, mais oui, c'est la dernière guerre, c'est normal. Et là, j'ai fait 100% sur cette attaque. Replay. Alors. Ouais, j'aime bien les villages carrés. Tout simplement parce que les troupes ne font pas le tour du village. Enfin, je veux dire, si je me mets par exemple des montgolfières ici, et ici, elles passent à peu près en ligne, quoi. Donc, pas trop de difficultés. Mais je sais même plus comment je les ai mises. Ok. Moi, je les ai mis un peu comme ça à l'arrache, ok. Voilà, j'ai pété le château de clan qui était vraiment exposé. C'est vraiment plus pratique. Je vous conseille quand même toujours de le mettre près du milieu, vers le château de clan. Vers l'HDV. C'est toujours un peu mieux. Ouais, là, les Tesla m'ont fait mal. Hein. C'est les Tesla niveau 6. Bon, il y en a une qui est niveau 1. Je pense qu'ils viennent. Ouais, ils viennent. Ouais. Il vient de monter HDV9 parce qu'il a toujours pas ses Archix. Il n'a pas non plus... Enfin, il n'avait pas monté non plus sa Tesla. Ce qui montre qu'il vient de passer HDV8, donc voilà. Allez. Bon, là, je suis à 100%. Il n'y a pas de surprise. Mais l'autre, j'ai quand même un peu plus chié au niveau de l'attaque. Je faisais un peu pour le butin aussi. On gagnait... j'ai gratté les attaques, enfin les points avec mon deuxième compte parce que je l'ai ramené au final dans mon clan. Voilà. Alors, juste, on va regarder ça. C'était ce village-là. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu largement faire mieux. Parce que c'était presque le même village que l'autre. Mais voilà, là c'est ici. Déjà j'ai pris plusieurs bombes. Il y en a d'autres normalement je crois. Bref, mes troupes ont déjà pris cher. Voilà, il y a encore des bombes qui passent. J'ai perdu vraiment beaucoup de montgolfières sur cette zone-là. J'ai beaucoup de montgolfières. J'aurais dû mettre mes sorts de soins. Bah là déjà j'aurais pu le mettre plus loin. Là j'en ai pas mis. Si je me trompe pas. Ouais bon, il n'y avait pas encore vraiment besoin. Là ils ont pris cher, je pense que je l'ai mis pas loin, voilà, je l'ai mis. J'aurais pu faire mieux, mais du coup, bah pareil, mes troupes là, du coup on fait le tour, elles sont pas passées par le milieu, là où je voulais, sur les anti-aériens. Bah du coup, elles pouvaient me taper comme elles voulaient les tours. Voilà quoi. Et du coup, bah là, mes troupes ont fini par faire le tour, j'ai gagné 50% grâce à lui. Puis je crois que j'ai abandonné, ouais, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que j'ai regardé mon roi, et pour 3% de plus, ça allait pas changer la... Donc, je crois que j'ai abandonné là. Ah non, 24 secondes, attendez. Ah non, j'ai laissé. Il restait un barbare, je crois, qui est par là. Enfin, je sais plus où. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, bah non, je pensais pas... Ah si, si, bah il était là, le barbare. Mais voilà, bon, ça m'a pas permis de gratter énormément de pourcents. De toute façon, ça servait à rien. Il aurait fallu péter l'HDV. Donc voilà, bon, bah c'était un peu une attaque loupée. Mais au final, on a loupé la guerre. Je vais monter mes dragons tout simplement parce que là je vais utiliser mes dragons plutôt maintenant. Pareil, ils font le tour. Bon, après cela, après les chevaucheurs, je vais monter mes dragons niveau 3 parce qu'il était un peu temps, je pense, de les monter. Parce que bon, les chevaucheurs, c'est pas un truc que je veux forcément utiliser. Peut-être après, hein, quand je les aurai montés. Mais niveau 3 pour moi, c'est pas le mieux. Donc on verra bien, écoutez. Alors pour finir la vidéo, on va faire une petite attaque. Donc je refais les troupes. Comme d'hab. Bon, je mets 4 géants, 2 casse-briques et 31 archers je crois dans chaque caserne. Voilà, c'est ça. Puis après je mets des barbares aussi du coup. Mince, misclic. Puis pareil, il y a ma souris qui devient invisible comme je ne filme plus avec Fraps. Franchement, ça bug plus. Ça bug plus du tout. C'est vraiment Fraps. Pareil, du coup, sur Stranded Deep, ça va être pareil. Ça va plus bugger. J'espère. Normalement, ça bug plus. Là, ça venait vraiment du. Enfin, ça venait de Fraps. Fraps fait énormément bugger les jeux. Alors, après, il y a une bonne qualité derrière. Je vais pas lui répondre parce que je suis un petit peu en vidéo. Je vais attaquer. J'aimerais bien avoir un ouvrier. Non, pas du tout en fait. Je veux pas d'ouvrier. Je veux finir mon laboratoire. Quelle heure il est? 17h09. 18h. Ça fait demain, matin. Je vais pas compter. Moins 7, 11h. 11h40 du coup. Ah, j'ai pas de bouclier. Bah donc ça veut dire que j'ai pas été attaqué. Il peut aller oulou. Pef. J'hésite pour l'or, je gagne pas énormément d'or, je le sais. Mais bon, on va pas attaquer ça. Je compte sur les inactifs pour gagner mon or. Bon, je vais me rincer le gosier, moi, un peu. Voilà, ça fait du bien. Bon, pour trouver une attaque, ça va être un peu galère. Bon, il y a l'élixir, mais il n'y a pas l'or. L'élixir, là, je laisse un peu de côté parce que je gagne un peu plus. J'ai un petit snap. Je vais quand même le regarder en même temps que je fais la vidéo, mais bon, voilà. Sauf si c'est une vidéo. J'aimerais bien trouver, s'il vous plaît. Lol. Hop. Voilà. Please. J'aimerais bien trouver un petit village sympathique à attaquer. Je Je pense que je vais redescendre un trophée, je vais recommencer à faire mes petits barbares archers. Parce que ça marchait bien, hein, faut se l'avouer. Pour gagner des ressources, là j'aimerais bien monter mes anti-aériens. Ok. Allez. C'est vrai que c'est long à reconnecter du coup quand on est déconnecté comme ça. Je suis pressé que mon arc se termine parce que du coup ça fait quand même un ouvrier en moins pendant 14 jours. Ce qui est plutôt assez conséquent quand on y pense. Bon, j'attaque ici moi, hein, je suis un bonhomme. J'avais pas vu que le comment dire, le mortier était en travaux. Enfin, en travaux. Hop. Donc j'ai pas ma reine. Franchement, la reine est vraiment très pratique, je trouve. Oh, bah, c'est galère avec la souris, sérieux. Il va falloir que je trouve le moyen de filmer mon portable. Sauf que ça me fait planter mes jeux, donc... je sais pas. J'ai pas trop compris le système, comment ça marche. Je vais regarder, je chercherai. Même si là, mon portable commence à bugger, même s'il est neuf. Après, c'est avec la merde que je mets dessus aussi, mais bon. Bon, je vais pas soigner mes géants, je pense. S'ils se regroupent, peut-être. S'il y a quand même pas mal de défense. On va mettre ça là. Ouf, j'avais pas vu mon roi, merci. Je vais pas mettre de sort sur le roi. Je le laisse crever. J'ai toute l'or. Il n'y avait pas énormément d'or, mais tout était dans le même coin. Il reste la dernière réserve d'élixir ici, puis ce sera bon. Hop, il reste un peu tous les géants, mais bon, ouais. On va pas abandonner maintenant. On va laisser terminer l'attaque. Allez. Bon allez, il reste plus que celle-là, et après normalement les géants commencent à taper les bâtiments avoisinants, qui va être bien pratique. Allez, allez. Au final là je pourrais abandonner, c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'abandonne avant la fin. Il me reste 2% à gagner, j'ai la flemme d'attendre. Et du coup, bah, j'abandonne. Ça me fait ça souvent. Hein. Ah bon, j'ai bousillé 2 sorts. Bon, niveau élixir, c'est pas rentable. Bon. L'élixir, c'est pas grave. Je m'emballais un peu. Create. Puf, puf. Hein? Hein? Pourquoi de mon sachet? Bref. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là, j'espère que la vidéo vous a plu, on a présenté vite fait la guerre, enfin les deux dernières guerres, moi je n'avais jamais vu ça là, le machin bleu sur le côté, ça doit être nouveau, c'est stylé, non j'ai enlevé un cadeau, fait yesh. Bon bah les amis, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez toujours pas à rejoindre mon clan Crampousse. On gagne pas mal nos guerres, donc c'est plutôt pas mal comme clan. Donc bah voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.